Merci Madame la Présidente. Je rejoins les objections et critiques qui ont été faites à cet amendement. Par contre, je rejoins aussi le souci qui est le vôtre et que vous avez exprimé sur la question de la protection des salariés, mais en rappelant aussi que c'est justement par l'harmonisation sociale, notamment le renforcement de la présence des syndicats, parce que c'est quand même encore aujourd'hui le cadre dans lequel tous les salariés, quelle que soit leur nationalité dans un pays, doivent et peuvent recevoir de l'aide, des conseils et de la protection, le rôle des CHSCT par exemple. Et je pense que c'est par ce biais-là, en renforçant leur présence et notamment dans le cadre de ce type de dispositif, leur pouvoir d'intervention, celui de l'inspection du travail également, ça a été évoqué à plusieurs reprises, qu'on permettra de prévenir ce que vous soulignez et qui est effectivement, notamment dans la question, les chantiers du bâtiment, des mises en danger des salariés. Et je suis sûre que les débats futurs permettront d'inclure ces préoccupations et surtout d'inclure ces propositions que portent de nombreux syndicats au niveau français et européen.